Un sport pour encourager les jeunes handballeurs, la Ligue de la ville de N'Djamena a remis des trophées aux meilleures équipes de handball au cours d'une cérémonie présidée par la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habiba Saoulba. Falam Bissoulga. Récompenser les performances collectives et individuelles des handballeurs et handballeuses de la Ligue de handball de la ville de N'Djamena en vue de stimuler les jeunes dans cette discipline est l'objectif visé à travers cette cérémonie de remise des trophées. Pour le président de la Ligue de handball de la ville de N'Djamena, le championnat de l'année 2016-2017 a été une réussite malgré quelques difficultés. Hubert Beradi a saisi cette opportunité pour appeler les sociétés de la place à soutenir le sport en général et le handball en particulier. La ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habiba Saoulba, salue le courage et la témérité de la Ligue de handball de la ville de N'Djamena. Les jeunes ont des potentialités et des prédispositions réelles à l'initiative, à la créativité et aux espoirs par leur performance sur le terrain. Ils ont besoin d'être encouragés et soutenus pour devenir des professionnels. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à quelques anciennes gloires du handball et aux meilleurs handballeurs et handballeuses de l'année 2016-2017. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes, bon week-end et à demain, Inch'Allah. Bonsoir.